Mais que sont devenus Fred et Jamy de C'est pas sorcier? Vous connaissez probablement tous cette célèbre émission, co-animée par Frédéric Courant et Jamy Gourmaud. Ces derniers sillonnaient les routes de France dans un énorme camion afin de nous expliquer de façon ludique des phénomènes scientifiques assez complexes. Fred était le reporter casse-cou qui se rendait sur le terrain, tandis que Jamy était le scientifique dans le laboratoire. Il y avait aussi Sabine Quindou qui intervenait de temps en temps à la place de Fred. Une chose est sûre, C'est pas sorcier a marqué toute une génération. Diffusée à partir de 1993, l'émission s'arrête subitement en 2014. Mais qu'en est-il de ses animateurs? Jamy Gourmaud, le présentateur star du programme, n'a pas du tout disparu des écrans. Bien au contraire. On le retrouve dans la foulée dans Le Monde de Jamy, qui sera diffusé pendant près de 10 ans. Et dès 2021, il a même une seconde émission quotidienne à son nom, C'est Jamy, dans laquelle il anime directement chez lui. Sur les réseaux sociaux, son succès n'en démord pas non plus. Il est suivi par 538 000 abonnés sur Instagram, et publie très fréquemment des vidéos sur des sujets scientifiques. Il anime aussi sa propre chaîne YouTube, Jamy Épicurieux, qui compte, elle, 1 089 000 d'abonnés, un véritable succès. Mais sa relation avec son ancien partenaire, Fred, elle, n'est pas au beau fixe. Au contraire, ils se seraient tous les deux embrouillés, et la raison est directement liée à la fin de « C'est pas sorcier ». Dans une interview télévisée sur CNews, Jamy se confiait sur la fin du partenariat avec Fred, tout en restant assez évasif sur le sujet. Malgré l'évocation sur le plateau de la possibilité d'un partenariat dans un futur hypothétique, ce dernier n'a jamais eu lieu. Si Jamy a eu la chance de continuer sa carrière d'animateur au sein du groupe France Télévisions, ce n'est pas le cas de Frédéric Courant. En effet, le journaliste s'est vu être mis à la porte. Une situation qui a très vite jeté un froid entre les deux partenaires. L'homme s'est confié sur cet épisode qu'il a vécu douloureusement. J'ai été balancé en 10 minutes après plus de 20 ans de service et le projet sur lequel nous travaillons ensemble s'est fait sans moi. Il affirme aussi ne pas avoir été du tout soutenu par Jamy. Paraît-il que les motifs de sa mise à pied restent vagues. La raison du mauvais comportement du journaliste ou d'un licenciement économique ont été invoquées. En tout cas, pendant plus de 10 ans, la pilule a été dure à avaler pour Fred, refusant tout contact avec son ancien acolyte scientifique. Mais en 2023, le duo de choc a fini par se réconcilier à l'occasion de l'inauguration de la fête de la science au Muséum d'Histoire Naturelle. Un moment très libérateur selon Fred. Ces retrouvailles nous ont libérés. Il était gêné, mais ça nous a fait du bien. L'ancien animateur était apparu méconnaissable sur une vidéo où il est interviewé sur l'île de la Réunion où il vit désormais. Visage ridé, cheveux longs et grosse barbe grise. Le journaliste de 64 ans est complètement tombé amoureux du lieu. Venu plusieurs fois pour y tourner des sujets volcans ou sur la culture de la vanille, il a fini par venir s'installer définitivement avec sa femme et ses enfants. L'homme d'une soixantaine d'années reste encore très investi dans la transmission des savoirs scientifiques auprès des jeunes. Même si ce tandem mythique appartient bel et bien à un lointain passé, tous deux ne se sont jamais éloignés de la science et de la nature. Même si Jamy reste sous les projecteurs, Fred lui coule des jours heureux, entouré de ce qui le passionne le plus,